YSL clutch bag, boss niggas love that my weave real long. Do my squats so that ass fat. Love my attitude, so he call me Lil Brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took a L. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul Pretty Little Thing spécial vacances. Parce que je sais qu'entre vous, il y en a qui partent en vacances. Parce que la Belgique, it's not giving, it's supposed to give. Genre, it's not giving. Cet été, je me suis pas imaginée comme ça en fait. Genre, à part travailler et dormir et manger, je fais rien de spécial. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques outfits pour vous donner un peu d'inspiration pour celles qui vont en vacances. Merci à Pretty Little Thing d'avoir sponsoré cette vidéo. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, on va directement commencer. Premièrement, vous savez que c'est pas un haul de Ordila s'il n'y a pas de jogging en fait. Et même, genre, je peux pas vous faire un haul spécial vacances si il n'y a pas de airport fit. L'outfit que tu vas mettre à l'aéroport, ça fait déjà la photo que tu vas prendre à l'aéroport avec ton outfit. Les gens, ils vont juger à partir de là en fait. S'ils voient que ton outfit est déjà en point, que tous tes outfits pendant les vacances, ils seront en point en fait. Donc là, je vous montre un ensemble PLT. Vous savez, la plupart de mes ensembles jogging, ça vient de PLT. Je trouve que niveau jogging, ils sont vraiment très bien. Donc voilà, je vous montre ce jogging à côté. Donc c'est en couleur un peu crème. C'est pas beige, mais je dirais que c'est blanc cassé. Donc voilà, j'avais vu la fille, une fille sur TikTok avait mis la même chose mais en blanc. Et vous savez que moi et le beige ça fait un, donc voilà j'ai pris en beige. En plus le blanc je trouve qu'après un moment quand tu la laves trop c'est plus beau. Donc le beige en fait c'est bien. Donc je vous montre, le pantalon il est comme ça, il est pas def un peu vite fait, pas trop mais genre pas trop tu vois. Et le haut il est pareil. Mais un truc que j'ai remarqué, ils sont pas si épais que les autres jogos que j'ai déjà pris chez PLT. Ça fait l'effet épais mais c'est pas si épais que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait pas si épais que ça. Et peut-être c'est bien parce que ça dépend de quel pays tu vas partir. Si tu pars par exemple dans un pays chaud comme Dubaï ou Espagne, un truc comme ça, c'est bien d'avoir un jogo. Si, même si tu fais 30 jogos, au moins t'es sûr que ce sera pas trop chaud parce que là-bas il fait chaud, vous voyez. Mais vu qu'il fait froid, tu t'habilles comme en fonction d'ici. Le haut, je l'ai pris en 12, donc une taille 40. Et le bas aussi, normalement, c'est une taille 40. Voilà, les deux, j'ai pris en taille 40 et ça me va parfaitement. Ça fait aussi l'effet oversize que j'aime bien. Donc voilà, prochain truc que je vais vous montrer, c'est que en fait, je crois qu'ils ont mal pris ma commande. Parce que de base, je vous montre l'outfit que je voulais faire. Cet outfit, je l'ai vu chez Chloé Kitemou, j'ai trop kiffé. Surtout pour en vacances et tu pars en dîner ou quoi. Mais ils m'ont que envoyé la chemisette. J'ai pas où mettre la chemisette parce que frère, vous savez comment on ressemble une chemisette. Mais elle est très belle. Donc je crois que j'ai acheté la robe, la jupe pardon, à part pour faire ce outfit. Parce que j'ai vraiment kiffé le outfit chez elle. Ça fait très vacances, ça fait très pompelop. Donc voilà, et très chic aussi en même temps. Donc voilà cette chemise, c'est dommage. De toute façon vous allez voir la photo à côté. Et cette chemise je l'ai pris en taille 40 aussi pour faire l'effet oversize. Et je vois déjà que ça fait oversize. J'aime bien quand mes chemises sont oversize, ça fait beaucoup plus beau je trouve. Donc ensuite en fait j'ai pris des trucs que j'aurais pas mis en temps normal en Belgique ou quoi. Parce que voilà, c'est pas des trucs qui m'intéressent pour mettre ici. Mais je me suis dit pour ce haul, ça fait du bien de voir un peu de couleur. Parce que vous savez que moi et du beige, et du blanc et du noir, c'est la base. Donc voilà, là je vous ai pris une robe vraiment très... Ah j'aime trop cette robe, elle est trop belle cette robe. Genre je l'ai pas vue sur quelqu'un, je l'ai vue sur le site. Et cette couleur m'a vraiment très attirée. Genre ces derniers temps j'aime bien les couleurs un peu plus vives. Genre tout ce qui est bleu, vert et tout. Je trouve que c'est hyper beau sur notre couleur de poli tout noir. You know if you're black. If you're black you know. If you're not black I'm sorry but... Voilà. Donc cette robe je l'ai pris. De toute façon c'est mieux à côté à quoi elle ressemble. Elle est trop belle, genre elle est toute longue, elle fait très chic. Par contre, ce genre de robe, je sais pas où la mettre en fait. Je sais pas si c'est un daytime outfit ou un nighttime outfit. Mais je crois sincèrement que je peux faire les deux. Genre ça avec des belles talons verts ou blancs ou bleus. Un des trois. Tu mets ça avec un beau petit sac et tout ça. Franchement ça fait hyper beau. Genre ça fait vraiment très très beau. J'ai vraiment kiffé. En plus quand j'ai mis, genre c'est pas si transparent comme ça. C'est pas si transparent comme ça parce que vous voyez un peu la matière, elle fait un peu mèche.
Mais sur les sièges, vous allez voir que ça fait pas transparent. Sauf si je vois pendant les montages que Rodi là, en fait, c'est très transparent. Désolée. Mais en tout cas, moi j'ai senti que c'était pas si transparent que ça. Donc voilà, j'ai vraiment très très kiffé cette robe. Je crois que s'ils ont plusieurs robes comme ça, je vais grave prendre parce que j'aime trop. Et j'essaie aussi un peu de changer de style, genre niveau couleur. J'essaie de mettre un peu plus de peps dans mes j'essaie de mettre plus de peps dans mes outfits. Parce que les couleurs, franchement, je trouve que les couleurs sont vraiment in this year, like people are really wearing color and I love it. Donc cette robe, je l'ai pris en taille 38. D'abord, je l'ai pris en 40 dans mon panier, mais j'ai eu le 40, il n'était pas là. Ensuite, j'ai pris le 38. En fait, j'ai arrêté de prendre des robes trop grandes en fait, parce que les robes qui serrent, c'est beaucoup plus beau. Moi perso, je suis un 40-38, donc du coup, s'il n'y a pas le 40, je prends le 38. Je vais pas prendre un 42 parce que ce sera trop grand. Donc vraiment, je suis contente que je l'ai pris en 38 parce que ça fait bien serré, ça fait montrer un peu le corps, ça fait du bien parfois. Donc voilà, franchement, j'aime trop cette robe. Je vous recommande vraiment de prendre cette robe, elle est trop trop belle, surtout sur notre couleur de peau, les filles. Regardez ce nom. Period. J'ai pris une robe blanche chemisette. Vous savez que moi, les robes chemisettes, c'est grave la base. Genre, j'aime trop les robes chemisettes. Il n'y a pas moyen que... En fait, j'en ai au moins 5. Et genre, j'en ai que mis une peut-être. Mais genre, je trouve que c'est des robes que si tu sais pas quoi mettre, tu mets ce genre de robe. Maintenant, en vacances, en blanc, comme ça, comme le modèle est trop beau. De toute façon, vous allez voir à côté. Le modèle, il est hyper beau. C'est pas une robe chemisette comme je mets d'habitude. En fait, s'il y a un peu de détails et tout ça, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai pris en blanc. Il y a aussi en beige. Mais en beige, ça faisait cheap. Je trouve qu'en blanc, ça fait beaucoup plus chic. Donc voilà. Je l'ai essayé. Il fait pas trop court non plus. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Je sais qu'en vacances, n'importe quelle destination, même si c'est en Belgique, tu peux mettre cette robe parce que c'est une robe simple, mais elle fait habiller en fait. Et cette robe, je l'ai pris en 40 parce que les robes chinoises, je les prends toujours en 40. J'aime bien quand ça fait un peu plus oversized, mais pas trop, que ça soit quand même serré. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Franchement, les détails en fait, les détails, ça fait très chic, it's giving me chic vibes. So voilà, si vous voulez vraiment. Si vous cherchez une robe, de toute façon, PLT niveau chemisette robe, ils sont vraiment forts. Genre, parce que toutes mes chemises robes viennent de PLT parce qu'ils sont niche and fort niveau ça. Et j'aime trop ça. Donc voilà, j'ai pris cette robe un 10 sur 10. Franchement, les habits que j'ai pris aujourd'hui, 10 sur 10. J'ai pris une robe que j'aurais pas du tout mis. Peut-être il y a un an, ou peut-être choisi il y a un an, quoi. Parce que je trouve que c'est une robe qui. Pas tout le monde va aimer en fait. Donc. Déjà, c'est une robe hyper longue, genre elle va jusqu'en bas. Faut savoir que moi je fais 1m73, 1m73 pour les Français. Même si vous n'allez pas faire d'efforts, nous on fait d'efforts, je fais 1m73, donc 73 pour les Belges. Donc, c'est une robe qui est hyper longue, genre moi je suis grande, enfin je suis pas si grande que ça, mais elle va jusqu'en bas. Et c'est une robe avec des motifs de zèbre comme ça. Franchement, c'est pas du tout mon style, j'aurais jamais cru que j'aurais pris ça. Mais je me suis dit, autant ici, parce qu'en vacances, quand t'es bronzé, tout ça fait hyper hyper beau. Et surtout, je vois trop mettre ça comme un brunch, ou quand tu pars au déjeuner, vite fait, tu as mangé, tu mets des claquettes, tu mets des cheveux dans un petit chignon, ça fait hyper beau. Donc voilà, franchement, cette robe, je l'aime trop trop trop. Aussi la qualité, les gars, la qualité, elle est trop bien. Genre, j'aime trop cette qualité. Ah, quand je l'avais mis, les bandes elles étaient un peu trop grandes, mais je vois maintenant que en fait je peux l'ajuster, c'est parfait parce qu'en fait, vu que j'ai pas des lolos et vu que voilà, j'ai pas de lolos, donc ça fait que j'ai un peu serré pour qu'il n'y a pas trop d'espace en fait. Si t'as des lolos, ça serre, enfin ça reste, moi ça reste pas parce que j'en ai pas. Donc voilà. Donc voilà, cette robe je l'aime trop, vous allez voir aussi, en plus ça prend bien ton corps. Je sais pas si j'ai pris en quelle taille. Ah, je l'ai pris en 38, c'est pour ça il serre, je suis contente que je l'ai pris en 38 parce que. Il fait vraiment très bien, il sert vraiment très bien le corps, tout ce que j'aime. Ça fait très beau. Mais j'arrive quand même à marcher. Après, je vais pas courir dedans. Mais j'aime trop cette robe. Genre, j'aime trop. Franchement, ça change. Ça change, les gars, ça change. Next, on a une autre robe. Attends, je vous montre. Ça, c'est une robe que j'aurais mis, par exemple, si je pars en lounge ou en boîte ou en soirée, un truc comme ça. Donc c'est une robe bleue comme ça, vous voyez que ça c'est des couleurs que je mets presque pas. De toute façon mes abonnés vous me connaissez, des robes comme ça j'en mets pas en fait, c'est pas mon truc. Mais je me suis dit si tu pars en vacances, tu mets des couleurs en fait. C'est là que tu dois mettre des couleurs, il fait beau, il n'y a pas à mettre du noir en fait, tu mets des couleurs.
Donc voilà cette robe, je l'ai pris parce que je me suis dit ça fait très bien quand tu pars en soirée ou quoi, quand tu fais un petit rooftop. Donc voilà. Vous allez voir à côté, essayage et tout ça. Au début j'ai cru qu'elle était hyper courte, mais franchement ça va. Après, faut pas commencer à faire des squats devant tout le monde, tout le monde s'asseoir pretty, like sitting pretty period. That's all you need to do with this dress because si tu bouges trop, ah, on va en bas là. On va en bas. Donc voilà. Un truc que j'aime et que j'aime pas en même temps, c'est qu'en fait, ils ont mis des... Comment ça s'appelle? Ils ont mis des push-ups. Maintenant, le truc, c'est que pas tout le monde a cette taille de sein, en fait. Genre, moi, c'est pas ma taille de sein. Enfin, ça se voit aussi. Mais après, je me dis que ça peut faire l'illusion que t'as des seins. Mais c'est juste que si j'ai maté drop, je crois que j'ai acheté des push-ups pour faire en sorte que... ça monte un peu pour faire en sorte que les gens ils croient que c'est mes seins, que c'est pas mes seins, parce que sinon ça fait très vide. J'aime pas quand ils font ça parce qu'en fait pas tout le monde a les mêmes lolo en fait, donc pourquoi vous faites ça? Après je sais que tu peux l'enlever mais je vois ici que c'est impossible d'enlever, donc je laisse comme ça. Donc comme je dis, juste acheter des trucs push-up pour faire, sinon ça va pas le faire. Mais en tout cas en soi j'aime trop cette robe, j'aime trop la couleur. Voilà, il y a aussi en blanc mais je me dis non, dis là non. Take some color, like you need some color in your life, tu vois. Même quand tu mets du couleur, genre tu te sens beaucoup plus mieux, genre tu te sens bien, de bonne humeur, genre je sais pas. Moi je suis comme ça, quand je mets du couleur, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai pris cette robe. J'ai pris en quelle taille? Je l'ai pris en taille 40. Ouais, je suis contente que je l'ai pris en 40 parce qu'il sert quand même. Donc prenez une taille au-dessus ou votre taille normale, pardon. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi les détails, genre c'est parfait, genre ça fait vraiment l'effet corset. Et voilà, si vous aimez bien ce genre de push-up, c'est parfait pour vous, surtout si vous avez des seins. En tout cas, moi c'est pas le cas les gars. Moi c'est pas le cas. Donc j'aurais préféré vraiment que ça soit genre normal. Le prochain truc que je vais montrer, c'est aussi de la couleur. Vous savez que voilà, j'ai pas me répéter 10 000 fois, mais la couleur les gars, la couleur, surtout cette couleur verte. Cette couleur verte, genre tu peux rien dire, elle est trop belle, elle fait tellement chic, je sais pas cette couleur, j'ai déjà dit dans mon haul AliExpress pelleté que j'ai fait il y a 2 mois je crois, la couleur verte en fait les gars, la couleur verte elle est trop belle, elle est trop belle, je suis désolée, y a rien à dire, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai pris cette combi que j'ai vue sur Kyra Omenik. Si tu follow pas les filles là de Atlanta, Kyra, Alia, Brie, Tasha, what you doing with your life? What if you doing? Like, imagine tu follow pas Alias Fay sur YouTube, genre. What is you doing with your life? En fait, allez les follow, j'ai rien à dire. Donc j'ai vu cet ensemble sur Kyra Omenik. Si vous la suivez sur YouTube, franchement, allez la suivre, elle est trop bien. J'aime trop ses vidéos. Elle a mis cet ensemble et j'ai trop kiffé chez elle. Ça fait vraiment très différent. De toute façon, vous allez mieux voir à côté. Ça change de ouf, surtout pour moi. Des trucs que j'aurais mis vraiment en temps normal. Mais franchement, j'ai vraiment aimé, surtout la couleur qui m'a attirée. Ça fait très dinner ou même brunch. En fait, ça me donne les deux vibes. Je mets ça au dinner ou au brunch. Et j'aime pas trop mettre ça avec mon sac vert de chez Zara et des talons blancs. Ça fait vraiment très frais, très habillé. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cet ensemble, je l'ai pris en taille 40. Il me va parfaitement aussi, donc pas de soucis. Aussi le short, il fait pas trop vulgaire ou quoi. Ou même en famille, tu peux mettre ça parce que ça fait pas du tout vulgaire. En tout cas, moi je trouve. Après, il y a le décolleté, vu que j'ai pas de lolo, ça fait pas vulgaire ou quoi. Même quand t'as des lolos, ça veut pas dire que t'as des lolos, que tout ce que tu mets des décolletés, ça fait vulgaire. Non, c'est juste savoir comment mettre ça en fait. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette play suit, ça s'appelle. Donc voilà, j'aime trop. Le dernier truc, ça m'a un peu choquée. Après, sous que c'est un grand mot. Mais j'ai pas cru que c'était une cover-up. Genre les bathing suit cover-up. Je savais pas que c'était ça. Ah si, il y a écrit Extreme Side Split Maxi Dress. Donc voilà cette robe. En fait, j'ai cru que c'était une robe, mais c'est pas une robe. C'est un truc que tu mets quand tu pars à la plage et tu vas partir au resto vite fait. Tu dois te couvrir un peu. C'est un truc comme ça parce que quand je vous dis the split in the on the side, pardon. Regardez. Genre il m'arrive ici, je peux même pas me tourner à l'essai, j'ai voulu me tourner. Après j'ai vu, j'ai pris mon shirtier comme ça parce que je peux pas en fait, je peux pas. Genre je suis choquée. Mais après c'est bien quand tu pars dans des pays chauds, tu mets ça vite fait au dessus ton bathing suit et tu pars manger ou quoi. Donc franchement c'est un truc que je vous recommande aussi. Mais si vous êtes pas à l'aise, mettez un short parce que le split il m'arrive vraiment ici, genre. Il m'arrive ici, c'est un truc de ouf. Encore c'est un petit split à l'aise, tu mets ça comme une robe.
mais impossible de mettre ça comme une robe. J'ai pris ça en taille 10. Ouais, je sais bien que j'ai pris un 10 parce qu'il était vraiment hyper grand. Surtout que la matière et tout, elle stretch hyper bien. Donc voilà, si vous cherchez un truc comme ça, franchement, PLT ou Chine, un truc comme ça, ils ont des trucs comme ça. En tout cas, j'ai cru que c'était une robe, mais c'était pas une robe. Donc voilà. C'était le haul. J'espère que vous avez aimé. C'est un petit haul que je vous ai montré. Donc merci encore à PLT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ou si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine. Bisous.